des monnaies ou des médailles inscrites avec le fameux nom de seigneur de Dvaravati. A commencer donc par Nakhon Pathom, le site de Nakhon Pathom, à l'ouest de Bangkok. Puis, vous voyez donc un axe nord-sud, hein, donc dans la vallée à l'ouest de Bangkok, la vallée centrale, jusque dans la région de Lop Buri. Tamahman sata stanli bawat sa dekero koin jenah jerak bro koin medai mena na yang sakit koin tapi nak mau kang lek, pai kang lek tek ni le de petisian ke jol ke hal ta Thai Long pai kang da. Kamu kena si Ishana Pura isi sama berikut. Yang kau Ishana Pura nang tu sebab berikut ke yang tem jual. Les premières médailles retrouvées avec le, et étudiées avec le nom de Dvaravati venaient de Nakhon Pathom. C'est Georges Sédès, je vous disais, qui les a étudiées et publiées en premier en français. Et peu de temps après, un chercheur hollandais, Boeles, a interprété là-dessus sur ces inscriptions. Et je cite... Cette nouvelle preuve, en parlant des médailles inscrites, montre avec certitude que le roi, un roi bouddhiste ou bouddhique de Sri Dvaravati régnait à Nakhon Pathom aux environs du 7e siècle de notre ère. Médaille de Yunkun Bimon Nena. Mình sẽ mạnh nhất là mình cha mạnh đại lục ta rộng sự đế quật còn là prae lấy thà chia bởi chia này thì ở đây nó cả rồi máu miên nặng sai kêu hồ lòng mà nặng còn tôi sẽ ở tập bọt nam bồi này nằm quần bởi học buồn nóng thà cả nó cái tầm rô khơi nhá thà đây mình đại cái rô khơi nóng bằng hai đầu bật bật quát mà chết chứ bác thà Nijay ompi ne perichia ma'ong nei pia badai nang dal chia perichia kanput sasna hai del sawiriet nei tambon muay nei tambon madom nakhon batom na chit chit mangkrop dan na nei satwat ti pupel tu tham apuan pay roi chanam galong ma hai ni. Et donc, c'est souvent ces articles, soit de Georges Sédès, soit de M. Boeles, qui sont constamment cités et recités dans les recherches concernant Dvaravati jusqu'à ce jour, et qui fait que, pour beaucoup, on considère encore aujourd'hui le royaume de Dvaravati comme un royaume bouddhique. Et donc, moi ce que j'aimerais maintenant vous montrer et remettre un petit peu en cause, c'est la soi-disant certitude qui entoure ces inscriptions, car pour moi, il n'y a pas du tout de certitude que ces rois, ou le roi dit de Dvaravati, ou le seigneur de Dvaravati, était un roi bouddhique, comme je vais vous le montrer maintenant. Ce qui a fait, peut-être qu'il faut que j'explique, ce qui a fait sans doute conclure à M. Boeles et peut-être Sédès qu'il s'agissait d'un monarque ou un roi bouddhique, c'est la provenance supposée de ces médaillons, les premiers médaillons retrouvés, qui venaient d'un stupa à Nakhon Pathom. Dal tpu oy nak prat pi nak nang nijay tha ba rung put sasana nang kue doy sa mạnh nang nang medaillon mạnh cặp mạnh nang kue kê rô khơi nực nong chạy đầy môi nâng Nakhon Pathom. En réalité, c'est...
il n'y a pas eu de fouilles archéologiques qui ont été menées à Nakhonpaton, et les médaillons n'ont pas été retrouvés dans une fouille archéologique, et la provenance n'est pas véritablement connue, premier problème. Et la deuxième chose, c'est la notion de punya qui est citée dans l'inscription, qui a fait penser à M. Boélès qu'il s'agissait bien sûr de mérite bouddhique, forcément. Et je vais remettre cela en cause. Donc, tout le monde connaît ici, je suis sûr, à des images, j'ai vu des photos, des exemples de sculptures, de Bouddha, des dharmas de chakra, etc. Je vous en montrerai quelques exemples. Il n'est pas la peine d'insister là-dessus. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plutôt l'autre côté de la face moins connue de Dvaravati, le côté brahmanique. Car à Nakhonpaton même, on trouve, par exemple, des Shivalingam, des Soma Sutra, comme ces photos nous l'indiquent. Et qui se trouve encore aujourd'hui un petit peu caché, perdu au milieu du temple Prapatomchedi. Ces objets-là ne sont pas dans les musées nationaux en Thaïlande, ils sont dans les temples. Donc juste pour comparer ici, une Soma Sutra pré-angkorienne qui vient du Cambodge. Vous voyez qu'il s'agit de la même culture matérielle. Un autre exemple donc de probablement de Yoni, retrouvé à Nakhonpaton dans un temple Wattamasala, un temple bouddhique aujourd'hui, mais qui autrefois, après excavation ou fouilles archéologiques récentes, n'était peut-être pas aussi bouddhique qu'il n'en avait l'air autrefois. Je passe au nord de Nakhonpaton, le site important de Utong, et juste à côté Koh Chandi, dans la province de Suphanburi. On a retrouvé également un certain nombre de sculptures importantes, des inscriptions. Plus ou moins anciennes ici, par exemple un sceau peut-être du 6e siècle. Qui est probablement une importation de l'Inde et qui vous montre ici clairement. Voici une photo, les symboles du dieu Shiva, le taureau, le trident, et peut-être ce qui ressemble à un lion, dans ce cas, il pourrait s'agir de Durga, la déesse. Il
Donc on a retrouvé plusieurs sceaux identiques et donc dans cet exemple ici et l'inscription lit Shivam Brihaspati, donc clairement un sceau appartenant à un brahman. Kok Changdin, juste à côté de Utong, un site archéologique, on a retrouvé des monuments. Il a été fouillé, il y a eu des fouilles archéologiques, et on a retrouvé des monuments exclusivement brahmaniques. Et parmi ces monuments, on a retrouvé également du matériel, des dépôts de fondation, dont ce récipient en terre cuite, à l'intérieur duquel on a retrouvé des pièces ou des monnaies anciennes, dont trois médaillons inscrits avec le nom de la même inscription, Shri Dvaravati, Shvara. Voilà, dans ce pot. Et donc ce qui est important de souligner ici, c'est que ce sont les seuls médaillons inscrits retrouvés dans un contexte archéologique. Les autres médaillons que l'on connaît sont des découvertes fortuites par hasard. Donc ici nous avons le contexte archéologique. Et figurez-vous que l'endroit où on a retrouvé ces médaillons, ce n'était pas des stupas, c'était des monuments brahmaniques. Donc je ne serais pas aussi certain que M. Boélez, que le seigneur de Dvaravati, était forcément un roi bouddhique. Donc, que peut-on dire finalement de ce fameux seigneur de Dvaravati, ce seigneur ou ce roi de Dvaravati? On observe d'abord que c'est un seigneur ou un roi qui se cache, il est anonyme, il n'a pas de nom propre. Ce qui a valu d'ailleurs la belle expression à M. Claude Jacques, pour parler de Dvaravati, d'un royaume sans histoire, car finalement nous ne connaissons pas le nom des rois de Dvaravati. On peut se demander finalement si ce fameux roi de Dvaravati, ou seigneur de Dvaravati, était un roi bien vivant, ou est-ce qu'il n'était-il pas mort? Ne serait-ce pas des commémorations à titre posthume faites pour un seigneur? On peut se demander aussi si finalement il s'agit vraiment d'un roi humain ou ne serait-ce pas un dieu, de moins de manière symbolique, puisque dans la mythologie indienne, le seigneur de Dvaravati n'est autre que l'avatar de Vishnu, le dénommé Krishna. Le seigneur de Dvaravati, dans la mythologie indienne, il correspond au seigneur Krishna, le septième ou le huitième, pardon, avatar de Vishnu. Krishna. Oui, mais en Inde, on connaît le nom de Dvaravati. Oui.
Et certains rois d'ailleurs indiens, ici je cite l'exemple de la dynastie des Yadava, une dynastie tardive de l'ouest de l'Inde du 10e-14e siècle, s'identifient dans l'épigraphie justement avec le seigneur Krishna dans les inscriptions. Les rois s'identifient au seigneur Krishna. Et on retrouve dans l'épigraphie de ces rois Yadava de la dynastie donc Yadava de Devagiri en Inde, Devagiri pardon, on retrouve la formule Dvaravati Kuravaladishvara, qui est une formule finalement assez proche que celle que nous connaissons en Thaïlande et qui identifie clairement ici le seigneur de Dvaravati à Krishna. Donc, les sources sont principalement le Mahabharata, le Harivamsa, le Bhagavata Purana et autres, et qui mentionnent donc le Seigneur Krishna, fondateur, créateur de la capitale, de la ville de Dvaraka ou Dvaravati. Il y a deux variantes. Et Dvaravati en sanskrit signifie, peut se traduire par la ville avec des portes, une ville fortifiée. Dvaravati, kotha praetha krong dan mien tvia. Et donc je reviens à mes Krishna, à mes sculptures de Krishna. Les sculptures de Krishna sont connues dans l'art très coréen. Vous en avez de très beaux exemples ici au Musée national du Cambodge, provenant du Phnom Da principalement, ou du moins le pense-t-on, comme ici, l'exemple ici. Et l'autre région également où on retrouve des images, des sculptures de Dvaravati, c'est en Thaïlande, et plus précisément dans le site archéologique de Siteb. Et donc on reconnaît ici l'épisode de Krishna lorsqu'il soulève la montagne Govardhana. Si vous connaissez la région de Krishna. Pour finir avec le site de Utong, une inscription importante, c'est celle-ci, inscription K964, inscrite en caractère très en coréen, en sanskrit, et qui mentionne, c'est un panégyrique, un prashasti, qui mentionne un roi dénommé Arshavarman. Et ce Arshavarman, d'après l'inscription, il est le Napta. Alors le Napta, ça peut être le petit-fils ou le petit-cousin, on ne sait pas trop. Un petit-neveu peut-être. Le Napta, donc, du roi Ishanavarman. Donc,
Nijay ompi babat Hatshavatman.